Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Milou. Salut à tous. Voilà, Milou, donc du coup, à sa chaîne. Oui, comme depuis un mois maintenant, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, sa chaîne, elle commence un peu à prendre forme. Commence à avoir un peu déjà Oh. des petites vues, des petits abonnés, tout ça, c'est cool. Pas grand-chose, hein. Oui, mais bon, il faut commencer à quelque part, de toute façon. C'est sûr, oui, c'est le début. Voilà, donc allez voir, ça s'appelle l'atelier de Mélou, elle fait des vidéos découvertes, des vidéos défis, et Des petites nouveautés, dernièrement Harry Potter. voilà, et dernièrement Harry Potter, donc elle fera sûrement peut-être d'autres nouveautés bientôt avec Resident Evil 4. Ah, oh, certainement, oui. Voilà, de toute façon, c'est un de tes jeux préférés, donc Oui. surtout le 4. Oui, surtout le 4, c'est vrai. Voilà, donc de toute façon, dès qu'il y a Léon. Bon, ça n'a rien à voir avec Léo. Mytho. C'est faux. Alors du coup on se retrouve pour un nouveau jeu, donc Ship of Fools. Donc on est deux puisque c'est un jeu qui peut jouer donc en coop. Apparemment, ouais. C'est un jeu qui est développé par Team 17, donc qui est la même boîte que sur un jeu qu'on a, elle, donc fait une découverte et moi fait donc un let's play dessus, qui est donc The Nightwish. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. The Night Witch. Tu le savais ou... J'avais oublié, mais oui. Ouais, Team 17. Ouais. Et donc on est actuellement donc sur ce qu'on appelle un roguelite, dans lequel donc on va incarner des sortes de Des marins. des marins, ouais, j'allais dire des pêcheurs, non, plutôt des marins, ouais. Voilà, des marins dans lequel il va falloir donc affronter des sortes de créatures pour pouvoir donc braver les dangers sur la route afin de mettre un terme à la corruption qui tombe sur le monde et vaincre l'aquapocalypse. Allez, moi je suis partante. Voilà, donc on va découvrir tout cela ensemble. C'est parti. Alors. Oh oui. Ah, mais je crois qu'on peut. Je crois que chacun a un pouvoir différent, non? Ah ouais, d'accord. Ah, pour l'instant, on en Comment a. tu fais pour changer? Ah, y a pas, moi j'ai pas. Non, on en a que deux. Ah oui, non, moi je vais être lui. Alors, Todd entre en communion avec sa grande pagaie. Héritage, humble capuchon, combo de coups de pagaie allongé et plus rapide. Et moi je suis Ink. À une lettre près, j'aurais pu être Link, mais non. Peut pulvériser la coquille d'un ermitosaure sans forcer. Héritage, cicatrice des hauts faits, effets et dégâts de zone en cas de coup critique. Ouais, ok. Bon. Sympa. Bah, de toute façon, on va. De toute façon, au fur et à mesure, on va pouvoir débloquer des marins supplémentaires, hein. Moi j'ai hâte de voir. Tu crois qu'il y a des filles? On peut mettre des filles. Sûrement, oui, non, non, mais Oh, bon. chut. Ah, chut. Il y a bien longtemps, de puissants guerriers des mers capturèrent une entité de lumière. Du haut de leur grand phare, ils canalisèrent sa puissance pour illuminer les eaux de l'archipel. Les ténèbres environnantes disparurent ainsi que les créatures marines qui empêchaient tout voyage. De nombreuses années s'écoulèrent, les puissances s'affaiblissèrent et les guerriers des mers ne furent plus que des légendes des temps anciens. Ça me fait penser à, tu sais, le petit jeu qu'on a fait à deux là. Tu vois? Où on était dans une île, on était deux. Oui, Tu vois ce que je veux dire? comment ça s'appelait là déjà? Oh purée. Sword of Ditto, Voilà, c'est Sword ça of que tu veux Ditto, dire? c'est ça. Ah oh, oui, je me bats avec une pagaie. Tiens, la mouette. Ah, on peut rouler avec R1. Ah d'accord. J'aurais pas dit R1, mais ok. Ah, mais R2, regarde. Ah d'accord. L2 aussi. D'accord, en fait, tu peux rouler avec Tu tout peux quoi. rouler avec tout. Oh, c'est quoi ça? C'est un ennemi, ça, non? Vous là, venez vite. Un crabosaure vient d'être aperçu au large. S'il arrive jusqu'au phare, nous sommes fichus. Attendez, qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Et qui sommes-nous? The Fools. Pas le temps de parler. Suivez-moi jusqu'au bateau. Vite! Bon, d'accord. Comme quoi, genre d'un coup, Ok. allez-y, venez, suivez-moi. Vous êtes D'accord. qui? On fait quoi là? Ok, ça va. Allez, appuie sur R1 ou R2. Ou ce que tu veux. Un peu partout. C'est quoi ça? Ah non. Oh merde, pardon, je suis désolée. Ah, on peut se faire des dégâts ou pas, par Non. curiosité? Non. Ah, au cas où, mais. Faut aller où là? Ah, au phare en bas. Oh, bateau. Bah ça va. Hein. Vous en avez mis du temps. Allez, prenez la barre, débarrassons-nous de ces maudites créatures. Vas-y, toi tu prends la barre. Pourquoi je dois prendre la barre, moi? Si tu veux, je la prends. Ça change rien.
Merde. Oh. Oh non. Qu'est-ce que... Cette saleté de crabosaure nous attendait. Il faut réparer le bateau avant que ce monstre ne refasse surface. Le réparer? Mais avec quoi? Par chance, je ne sors jamais de chez moi sans un tas de planches sous ma robe. Pourquoi pas? Crédible. Prenez celle-là et servez-vous-en pour réparer le trou dans le pont. Ok. Oh, joli! Je peux vous donner d'autres planches au besoin. Mieux vaut ne pas laisser ce crabosaure s'approcher de trop près. S'il recommence, repoussez-le avec votre pagaie. Le plus simple est de lui donner une volée de coups de pagaie. Vous verrez, le dernier lui flanquera une bonne raclée. Une belle raclette? Oh là là, ça te va tellement bien. Surtout que j'aime pas ça en plus. Ouais, mais la bouffe. Hein. Oui, mais j'aime pas ça. C'est vrai. Le crabosaure est de retour. Oh! Oh! Il m'a touché ou quoi? Je sais pas. Laisse-moi un peu le taper quand même. Non mais tu me tapes moi là en fait. Faudrait qu'on enlève les coups peut-être. Tu vois? Tu crois que ça y est Peut-être. Ah non. On okay. dirait pas non? Non. Ok, alors R1, L1. Mm-hmm. Après on aura. Tiré. Roulé, mode harpon, bouger, viser, afficher l'inventaire. Ok. Ouais, bon, il n'y a rien de plus. Oh non, on dirait que ce crustacé a plus d'un tour dans ses pinces. Comme un tour de magie. Oh, t'as l'air bête quand même. Hein. Ah ouais, j'ai l'air con. C'est vrai. Bon, en même temps, c'est ship of food, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le crabosaure s'apprête à lancer un projectile. D'accord. Mettez-vous en position et maintenez la touche attaque pour faire tournoyer vos bras, puis dévier les projectiles en relâchant. Ok. Hein? La touche à quoi? Ouais, complètement... Pardon. Préparez-vous! Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Oui. Oh oui! Ah, il faut lui relancer dessus au dernier moment. C'est ça. Je peux essayer ou... Ah, le premier qui est sur la bonne truc, quoi. Merde. Ouais. Bon, au moins déjà, j'ai touché une fois. Donc là, il faut que je reste appuyé. Ouais. Ah merde. Oh oui! Oh, 20! Oh, 20! Une dernière fois. Oui. Oh bah, je suis dessus. Trêve de plaisanterie. Faisons parler la bonne vieille poudre à canon. C'est un générateur de coquillages. Allez-y, posez-le sur un piédestal. Assurez-vous que tout ce que vous voulez garder durant votre voyage est sagement placé sur un piédestal. D'accord. Estimons-nous heureux que vous n'y soyez pas. Il faut le ramasser. Et tu le poses là. C'est pas ça? Ok. Maintenant que votre générateur est fixé à son piédestal, vous allez pouvoir récupérer des munitions. Celui-là donne des coquillages. Les canons de ce bateau sont très pratiques. On peut y mettre presque tout et n'importe quoi. Maintenant, chargez vos canons avant que ce crabe mal luné ne revienne. Avec ça peut-être? Je comprends pas. J'appuie sur croix, mais y a rien qui vient. Mais. Y a un problème, regarde, je tiens le truc. Mais non, mais il faut que tu le places. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est que ça sert à quoi ça? Ah, d'accord, c'est pour prendre des munitions. Ok, d'accord. Quoi je fais pour tirer? Ah! Toi, il faut que tu recharges derrière. Mais vas-y. Mais non, mais il faut que tu... Mais non, je te viens de te recharger. Utiliser. Je tire comment? Vas-y. Il y en a un qui protège et l'autre qui tape. D'accord. Mais une fois des munitions.
utiliser. Ah merde. Ok, utiliser. Comment on fait? Formidable! Le crabosaure portait une vrille. Vite, ramenez-la à bord avec ses harpons. Si vous avez des harpons sur vous, vous pouvez les charger dans votre canon en utilisant le mode harpon et en appuyant sur la touche attaque. Ah d'accord, ok. Compliqué quand même, hein? Compliqué plus quand même. Ouais. T'as mis les harpons là, ça y est? R2 carré. Non, attends. Ramasser. Okay. Placer. Ah oui, d'accord, ok. Oh, c'est technique quand même. C'est technique, hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Alga. Oh, et Alga? Que fais-tu ici? J'étais parti à la pêche au Bernac pour faire de la soupe. Plus on vient loin, meilleurs ils sont. C'est le retour qui pose problème. Une éternité que je ne t'ai pas vue. Je pensais que... tu sais... capote? Tu croyais que j'étais entre quatre planches? Haha. Maintenant, viens m'aider à descendre. J'ai assez de bernac pour nourrir un dur crapaud affamé. Oui, c'est une victoire. Oui. Le grand phare. Merci pour votre aide. La tempête qui approche rabat de plus en plus de monstres marins sur nos côtes. Je suis bien trop vieille pour repousser leurs attaques incessantes. Je misais sur deux matelots au courage sans faille, voyez-vous. Faut pas trop compter, hein. Ouais, je crois. Ça me fait mal de l'admettre, mais je crois que vous ferez bien l'affaire tous les deux. Mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait d'autres personnes. Ouais, comme s'il y avait grand choix. Ouais. Prenez mon bateau, le brise-tempête. Utilisez son pouvoir pour repousser la tempête éternelle qui ravage l'archipel. Bon, d'accord. Tu sers vraiment à rien, toi. Ouais, il a l'air complètement nigaud, le mien. Des vrilles. Vous en avez sur vous? C'est quoi, des vrilles? Juste une. Ça doit être la monnaie, non? Oh, Mazette, donnez-moi cette vrille que je vous fasse la meilleure soupe que vous avez jamais goûtée. Mes souplettes ont des vertus. Elles rendront votre bateau plus costaud, vous couvriront d'or et vous donneront tant de harpons que vous saurez même plus qu'en faire. C'est quoi le rapport entre une soupe, ouais, j'avoue, et le fait de rendre le bateau plus costaud? Je sais pas, c'est bizarre. Là, il a mais pas de... comment ça marche? Tout est dans la soupe. Bon. Maintenant, donnez-moi cette vrille-là et courez m'en chercher d'autres. On dit qu'il y en a tout le tour de l'archipel. Ah, d'accord. Tout est dans la soupe. Alors, soupe de dollars de sable, 25 dollars des sables au départ. Ok. 3 pots au départ. Non, je pense qu'il faut prendre les harpons d'abord, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Les harpons au départ, tu penses? Ouais. Ok. Ok. On s'en va? Bah ouais, de toute façon. Oh, il y a d'autres marchands, on dirait plus tard. Ouais. Ah, il a l'air. Grand le village, hein. Ouais, il a l'air grand, hein. Regarde, il y a un étalage ici. 1, 2, 3. 4, 5. 4, 5 trucs de poisson. Regarde, il y a encore des trucs et tout là-bas. Non, ça a l'air pas mal, le contenu du jeu. Ah, t'es. Un instant, avant que vous ne partiez, j'ai une faveur à vous demander. Encore? Ce tas de cailloux était autrefois la plus grande armurerie de tout l'archipel. Les marins venaient de loin pour faire réparer leurs bateaux et améliorer leurs canons. C'est mon ami Rust qui la tenait. Elle est morte? Oh, j'espère bien que non. Lorsque la tempête nous a frappés, elle était l'une des braves âmes à m'accompagner pour la repousser. Je suis sûre qu'elle est toujours là, coincée quelque part. Je vous en prie, ramenez-la si vous la trouvez. C'est d'accord. Donc on a une mission en plus, c'est ramener l'ami de la meuf là. Deuxième mission. Bon, ça a l'air pas mal en tout cas. C'est sympa. Hein? Franchement, ouais, c'est cool. Les eaux oubliées.
Oh! Oh! C'est quoi ça? Ah, c'est les munitions, d'accord. Ouais. Prends munitions. Attends, je vais à la barre. Changer de cap? Pourquoi tu veux changer de cap? Oh la vie! Oh, ah oui, d'accord. Et tu choisis où tu veux aller? D'accord, ok. En haut? Je sais pas, je ne sais rien. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Les dés, les coffres. Le butin. Ouais, va par là où? Ah, j'ai un canon moi aussi. Oh, merde, j'ai pas de balle. T'es une sonde de touche. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Vas-y. Pardon, désolé. Vas-y, bouge. Tiens, je te remets. Et bon, je t'en ai remis. Thanks. Ah, faut continuer. D'accord, en fait, on avance une case à chaque fois. Essaie d'aller vers les dés, non? Vers les dés, genre en haut? Ouais. Ok. Ok. Ah d'accord, bon là c'est tout. Je vais là? Ouais, bah ouais. Autant découvrir ce que c'est. Oh, c'est quoi? Oh, regarde, on peut descendre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est? Mais on n'a pas de sous. Parlez. Bam, 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 bam. Vous vous sentez en veine. Choisissez un coffre et voyons voir. D'accord. J'essaie de faire un peu les différentes voix, attends, excusez-moi. Attends, moi lequel je prends? Mais il n'y en a pas de pièce en haut. Ah, d'accord. Quand tu ouvrir un truc sans sous? Ah! Oh, regarde! Oh ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on dirait que... Oh, regarde, j'ai changé de personnage! Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Bah... Mais non, t'es Todd en haut. Oui, mais regarde, je peux faire ça, changer... Oh ouais, excellent! Bon, on a toujours pas 100 pièces, hein. Qu'est-ce que tu veux avec ta planche? Bon. Qu'est-ce qu'on fait en style, non? Bah ouais. Par contre, j'ai pris la planche. Prends-la, hein. Bah, au cas où qu'on ait besoin de réparer le vaisseau. C'est vrai. On va au trésor? Oh là, ça... Oh là. Voilà. C'est quoi ça? Ouais, ouais, essaye. C'est rigolo, hein. Oh, franchement, c'est pas mal. Tu me tapes, hein. Ah, un coffre. Oh, un coffre. Ah oui, d'accord, on a gagné des pièces, quoi. Et on peut pas l'ouvrir? Non? Okay. Non, on dirait pas. D'accord. Peut-être qu'il faut finir le truc pour l'ouvrir. Bon, on va au trésor. Ouais. Oh, on peut descendre. C'est quoi? Oh! Comme faire un effet de feu au coup de pagaie. Trop bien. Comment je fais pour m'appliquer ça? Bon, non, là. Ah non. Ouch. Désolé. Ah, attends. On a réparé le bateau. Ah ouais? Eh ouais, il y avait...
En haut, les 5 barres, c'est ta vie de bateau. Ah, d'accord. Et du coup, il y avait un trou. Et j'ai bien fait de récupérer la planche. Ah, ouais, d'accord, ok, j'avais pas compris. Voilà, maintenant, il faut aller là. Tu vas choisir où tu veux aller. T'as du bois, là, y a du des bois, méduses. Ou... Des méduses. Que sont tantes là-bas, non? Allez. Si on peut récupérer de quoi réparer le bateau au cas où. Allez. Qui c'est qui nous tire dessus, là? Oula! Le bateau il prend cher, hein? Et voilà, un peu au mieux, hein? Allez, tire sur tout là! Il faut réparer là. Attends, il faudrait. Ok, bon, j'ai ramassé ça. Attends, il y a des trucs à récupérer. Vas-y, carré. Non, R2 carré, R2 carré. Ah oui. C'est bien. Comment je fais? Ramasser? Non, c'est pas ça. Comment je fais? Ramasser. Et comment tu fais pour le mettre? Bah, il n'y a rien à réparer pour l'instant, ah, donc okay. Ça sert à rien, mais. Ça devient chaud, hein? Ça devient chaud. Non. Peut-être éviter pour ouais. Le premier passage. Et ouais, mais du coup, on perd tout ce qui est pas. Ah, ouais, d'accord. Ah merde, je me suis fait toucher. C'est la fois que tu viens de m'aider, non? Celui-là. Ça devient chaud. Ça devient compliqué. Voilà. Pour prendre un harpon, ouais, pour essayer d'avoir le trésor. Oula, dit. J'ai besoin de toi. Attends, je peux pas passer là. Allez, il faut mourir là. Oui. Ah. C'est comme ce nuire chaud. Ouais. Mais on peut pas le ramasser le coffre tout simplement, je comprends pas. Et non, je me dirais pas. C'est sûr, si tu fais ramasser. Et pose-le et genre ouvre-le quoi. Ah, il faut obligatoirement le placer là. D'accord. Bon, j'y vais. Vas-y. Trésor. Enfin, des sous quoi. Ouais, des trucs là, ouais, c'est pas mal ça. Ah, ah bon, ça va. Ah, c'est une autre boutique on dirait.
Ah bah ouais, c'est une boutique. Ah, la clientèle. Ah, du blindage et tout, trop bien. J'ai fait le tour des sept mers pour mettre la main sur ses reliques et autres curiosités. Qu'est-ce qui vous intéresse, dites-moi? Je sais pas. Eh bien, ne traînez pas trop, Capitaine. La mer vous appelle. Attendez, détruit les trucs avant. Oh, regarde. Augmente de 15% la taille du chargeur. Il faut qu'on le fasse. Ouais. Donc c'est ça, là. Après, il y avait augmente de 5 les dégâts infligés par la... Non, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, ça, là. Ouais. Attends, viens, on prend la planche. Équipé ? C'est équipé. Allez, go. Oh là là, j'ai l'impression... Ça y est, on va se faire attaquer, je pense. Tu veux quoi, plutôt ? En bas, ouais. Ça ? Ouais. Pour l'instant, on tient quand même, hein ? On se débrouille, hein. C'est chiant, les trucs comme ça, là. Je suis KO. Pourquoi je suis KO ? Ah, ok. Et moi, le truc, c'est que du coup, je peux pas passer avec ces merdes. Et ouais, moi non plus. Ah, je vais me faire taper. Merde. Attention parce que eux ils veulent s'exploser sur nous. Ah bah, j'essaie de tuer les moustiques déjà là, c'est. Essaye de les tuer derrière toi avant qu'ils explosent. Je suis capote. Oh, des petits sous. Attends, t'as mis tes munitions un peu là? Tiens, je t'ai mis des munitions. On a une planche, tu veux pas réparer le bateau? On a une planche où? Ah non, c'est pas une planche. Oh, bah le boss, hein. Et ça c'est quoi ça du coup? Je sais pas, tu veux essayer? Ah, il y a ça aussi sinon. Ouais, tu peux progresser, mais bon, au final on va se retrouver avec Eblo. Mais hein, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, hein, des fois de se prendre des zones tendues, hein, pour l'instant. Bah c'est jusqu'à ce que le bateau il coule en vrai. Ça devient tendu. Ça devient très tendu. Eh oh, mais t'as pas dit. Allez, sort. Oui. Ouf, dur, hein. Ouais, là, ouais. Voilà, il nous reste deux vies, quoi. Oh là, dans un mouvement, l'autre, il arrive. Bon, bah, de toute façon... C'est pas comme si on avait 40 000 choix. Ouais. Oh là là. Oh là, je peux pas l'utiliser. Oh là là, on va couler. On a coulé. Ah merde, je l'ai pas vu. La tempête te rejette sur le rivage. Bon, après, on n'a pas été mauvais quand même, hein. Je pense qu'on se débrouille pas mal quand même pour un premier essai.
Franchement, regarde. Objet 100, ennemi 324, dollar des sables 325, total 745. On a passé deux niveaux, deux barres, et on a récupéré deux trucs là. Je m'en peux plus. Deux harpons ? Non, ah, les oui, créatures en bas ouais, là. D'accord, ok. Des quilles, je peux connaître. Ouais, je sais plus comment ils appellent ça. Le Le grand grand phare. phare. Donc là, on est retourné sur le rivage. Et ouais, on a été rejeté par notre bateau. Ouais, mais pour une première tentative, je trouve que c'est pas mal, hein. Contre elle défonce tout ce qui passe, bien le pigeon. Oh, regarde, je l'ai ramassé. Ah, moi aussi, j'ai ramassé mon petit pigeon. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais... Viens, on retourne voir la vie, elle, là. Tout est dans la soupe. Ah, PV plus 1, c'est bien ça. Vous voulez entendre quelque chose de bizarre? Plus je mélange cette soupe, plus l'archipel y change. Des îles qui tournent et qui tournent, comme le sable dans ce bouillon. Vous voulez goûter? Berk! Vous sauriez pas différencier de bonnes épices, de crottes de mouche de mer? Débarrassez le plancher. Ouais, alors c'est sympa, là. Et rapportez-moi plus de vrilles. Ouais, ça, les vrilles. Les quilles. Les quilles. Qu'est-ce qu'on prend? PV total, c'est bien, hein. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ou un piédestal de cargaison, ça sera bien. Hein. Ouais, ça sera bien ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après tu es rapidement bloqué. Ouais. C'est clair. Ça on s'en fout, ça on s'en fout un peu. Bon. Tu crois qu'il faut aller reparler à la meuf là ou... Ah ouais, mais elle va te dire qu'il faut retrouver sa pote, je pense. Ah, je suis Keblo. Ah. Avant que vous partiez, j'ai une faveur à vous demander. Encore ? Ce tas de cailloux était autrefois la plus grande armure. Oh, bah non, ça va, ouais. Ouais, elle veut sa pote, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Bon, bah voilà, notre bateau est de retour, hein. Ouais. Bon, bah on a été pas trop mal, on a récupéré une vie en plus. Ouais, non, on a bien progressé quand même. Et on a 8 harpons. Eh ben écoute. Faudra continuer l'exploration, hein. Par contre, un peu au niveau des touches et tout ça, quand t'es un peu dans le feu de l'action, c'est vrai que tu as tendance rapidement à utiliser, perdre. Utiliser, prendre le canon, le déplacer, c'est vrai. Recharger, prendre le truc et tout. C'est vrai que tu te fais attaquer de part et d'autre. C'est un peu compliqué à... Ah, je pense que c'est fait pour, hein. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu flou, ouais. Ouais, un peu fouillis, quoi. Mais bon, en tout cas, l'histoire a l'air sympa. Ouais, ça a l'air marrant. Hein, le jeu a l'air sympa, sincèrement. Ouais, non, franchement, ça a l'air cool. Après, la carte est faite de manière procédurale. Je pense qu'elle va changer à chaque fois. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qui caractérise un peu les roguelites. Hein. Tu arrives, au fur et à mesure, la carte, elle change. Mmh. Là, par exemple, tu passes par un autre chemin, tu auras différents trucs différents. Non, ça peut être sympa, je pense. Voilà, oui, tu auras des événements différents à chaque case que tu avances. Ouais, c'est cool. Non, c'est sympa. Bon, après, vous pouvez, voilà, si ce jeu vous plaît, vous pouvez le retrouver donc sur le store. Je sais plus. Pas grand chose, hein, je crois. Ouais. Une quinzaine d'euros. Ouais, je crois, un truc dans ces eaux-là, ouais. Voilà, bon, en tout cas, il est sympa. En plus, c'est un jeu que vous pouvez faire à deux. Il est sorti en novembre 2022, donc il est quand même assez récent. Ouais. Voilà, et pour tous les gens qui adorent ce type de jeu, ben, on vous le conseille. Ouais, c'était vachement sympa. Voilà, ben, on continuera à faire des petites missions dessus, tranquille. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, ben, pour essayer de voir s'il y a une avancée dans le jeu. Ah oui, je pense que oui, à partir du moment où tu retrouveras tes compagnies, je pense que ça va débloquer des trucs. Oui, ben, déjà, peut-être repeupler un peu l'île. Ce sera bien, hein, parce que c'est un peu vide. Hein. Parce que là, c'est un peu mort. Ouais, c'est vrai. Voilà, ben, on espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. On vous dit à la prochaine, donc, sur la chaîne, pour... D'autres aventures. Sur Shippolful. Salut à tous. Salut, ciao, ciao.